Le prince grenouille. Il était une fois une princesse qui aimait jouer avec sa balle en or. Tous les jours, elle aurait pu jouer des heures. Un jour, elle décida de voir à quelle hauteur elle pouvait lancer la balle. Elle la lança haut et la rattrapa facilement. Mais une fois, elle la lança si fort qu'elle la perdit de vue. Quand elle redescendit, la balle roula et atterrit dans une mare toute proche. La princesse se tenait au bord de la mare, mais ne pouvait voir sa balle nulle part. « Excusez-moi, princesse, » dit une voix. « Je peux vous rapporter votre balle. » La princesse regarda autour d'elle et vit une grenouille très visqueuse et verruqueuse. « T'es-tu adressée à moi ?»« Oui. » Quoi ça, la grenouille ?« J'ai dit que je pouvais vous rapporter votre balle. »« Je n'ai pas l'habitude de parler aux grenouilles verruqueuses, » dit la princesse. « Bien, » dit la grenouille. « Tu ne reverras plus jamais ta balle. »« Attends, attends !» cria la princesse. « Je suis désolée. Pourrais-tu, s'il te plaît, récupérer ma balle ?»« À une condition, » répondit la grenouille. « Lorsque je retrouverai la balle, vous me donnerez un petit baiser. » La princesse accepta donc à contre-cœur cette condition. La grenouille plongea dans la mare et en un clin d'œil revint avec la balle. « La voilà !»« Merci, bonne grenouille » remercia-t-elle. « Attendez !» dit la grenouille. « Avez-vous oublié votre promesse ?»« Oh !» s'exclama la princesse. « Tu ne t'attendais tout de même pas à ce que je t'embrasse. Après tout, je suis royale et tu es verruqueuse. » Sur ces mots, elle s'enfuit. Ce soir-là, au dîner, un serviteur entra dans la salle à manger. « Il y a une grenouille ici qui désire vous voir, Majesté. »« Une quoi ?» s'exclama la princesse. « Une grenouille !» répondit le serviteur. « Elle dit qu'elle est en affaire avec la princesse, quelque chose à propos d'une promesse non tenue. « Renvoyez-la sur le champ !» déclara la princesse. « Amenez-la ici !» dit le roi. Quelques minutes plus tard, la grenouille entra. « Connais-tu cette grenouille ?» interrogea le roi. « J'ai retrouvé la balle en or de votre fille, » répondit la grenouille. « Mais elle n'a pas tenu sa promesse. »« Est-ce vrai ?» demanda le roi. « Elle voulait que je l'embrasse !» s'exclama la princesse. « Il n'en est pas question. »« Aucune de mes filles ne rompra une promesse, » déclara le roi. « Agis comme tu le dois. »« Non, sire, » dit la grenouille. « Elle doit le faire de son plein gré. »« Jamais !» cria la princesse. Alors la grenouille décida de venir au palais tous les matins et de s'asseoir aux côtés de la princesse. Elles mangèrent et jouèrent ensemble. Au bout de 6 mois, alors qu'elles allaient se coucher, la princesse dit « Bonne nuit, grenouille !» et lui donna un léger baiser. La grenouille disparut, et à sa place apparut un beau jeune homme. « Qui êtes-vous ? » interrogea la princesse. « Qu'avez-vous fait de ma grenouille ?» Car entre-temps, la princesse aimait la petite grenouille. « Je suis votre grenouille, » dit l'homme. « Je suis également un prince. J'ai été enchanté par une fée malicieuse. Seul le baiser d'une princesse pouvait briser l'enchantement. » « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ?» demanda la princesse. « Parce que vous deviez le faire de plein gré, » dit le prince. Ils se marièrent peu après, et le prince et la princesse vécurent heureux à jamais.